Ouh, ça pénètre bien là. Par contre, ici, les gars, il faut qu'on optimise cette route. On est tous d'accord là. Parce que là, c'est l'enfer là, ici. Là, ouais, l'enfer. Ouais. L'enfer, l'enfer, il est là. Hein. Il est là, l'enfer. Alors, travaillez là-dessus, s'il vous plaît. Bah, tu devrais prolonger ton autoroute jusque là, en fait. Et attends, mec, je me pose. Juste, je me pose deux secondes, les gars. Checkez mes politiques, s'il vous plaît, les gauchistes. J'ai mis consommation d'énergie, consommation d'eau. Je sais, mais c'est important pour moi. C'est important pour mon parti politique. C'est bien, c'est bien. Voilà. J'ai pas interdit les animaux, bien au contraire. On aime les animaux ici. Je suis à deux doigts d'interdire de fumer, mais là, vraiment, on va perdre beaucoup trop d'argent. J'ai mis du recyclage. Oui, je sais. Je suis au-dessus. Je sais. Je suis au-dessus de vous. Tes petites résidences sont utiles, mais alors, ajoute si tu veux moins de trafic encore, il faut pour augmenter les valeurs les transports publics gratuits. Ça va inciter les gens à prendre le métro ou le bus ou n'importe plutôt que de prendre leur voiture. Et déjà, ça va. Ok, ok. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre, gauchiste? Tu veux quoi? Tu veux tout gratuit? Pas les autres. Je savais pas qu'on a mis les extrêmes gauchistes. Quoi, pardon? T'as mis les zones sur la map ou pas? Ça, c'est très important. Non, j'ai pas fait cette zone. Parce que tu peux mettre encore plus de politique comme ça. Par exemple, pour qu'ils économisent encore plus, ou pour que... C'est en fait là... Tu fais une zone de pauvre ou une zone de riche, c'est ça? Bah oui, tu peux en vrai. Et toi, tu fais une zone de riche et taxer les riches, c'est ça? Bah sale riche. T'as pas honte? Tu peux... En soi, tu peux taxer un petit peu plus tes citoyens et recevoir un peu plus d'argent. Taxer mes citoyens, mais tu n'as pas honte? Bah... C'est pas game. Tu veux taxer? Tu crois que les gens ils se subent là? Tu crois vraiment que les gens se subent à mon stream? T'es fou quoi? T'es fou? Ah bah. Alors imagine, je impose le sub. Imagine là. Imagine mon chat passe en secondi maintenant. Imagine. Et si tu veux, tu peux même renommer les maisons et les noms de tes subs. Hein. Ah! Ah bah oui! Oh là là! Ah! Les prochains qui claquent des Twitch Prime, on renommera leur maison. Les prochains, tous ceux qui claquent un Twitch Prime là, ou qui se subent à partir de maintenant. Ils vont avoir une petite maison dans ma ville. N'hésitez pas, mesdames et messieurs. Super idée, ça. Mais attends, t'es qui a dit ça? C'est moi, Nathan. Nathan, bravo, tu es maire de la ville. Bravo. Ah bah, tu es le futur maire de la ville. Voilà, moi, je suis le président. Hein. Ah. Citurne, regarde. Citurne. Citurne, tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi, frérot? Hop là, la petite maison, la résidence. Citurne, voilà. Quina et ses deux. Tête de nul. Quina SC2. Voilà, c'est bien ça. Très joli le maire. Hein. Très... Voilà comment. Voilà, on taxe le peuple. Hein. La résidence Bruyère. Attends, c'est qui ça? C'est Zéphirel. Parfait ça. Qu'est-ce qu'on a ici? À côté de Zéphirel, on a. Attends, mais c'est bizarre ça. C'est bizarre, tout le monde sub là. Galarou. Eh, franchement, Nathan, bravo. Hein, ah, super. Ça a bien marché. Ah, ça a bien marché, mon frérot. Je l'ai mis, ça me fout de merde. T'as l'air d'être un très très bon gestionnaire financier. Science Po. Pouloulou TV. Eh oui, il a mis TV dans son pseudo. Il est bête lui ou quoi? Flony Zouka. Toc là. En face, il y a les Louchou. Voilà. En face. À côté, il y a les Roro Bello. Mais après, voilà. S'il y a trop de subs, oui. C'est minimum 5 subs pour une maison. Hein. Pour attends, un building, c'est 5 attends, subs. Attends, un building, attends, attends. Il faut attendre le ralentissement. Tu es bête ou quoi? Ah oui. Alors, pour le moment, ça ralentit pas. Pour le moment, c'est plutôt bien. Encore. Voilà, excusez-moi, c'est en QWERTY. Hein. Si j'écris en QWERTY, c'est pas grave. C'est la version QWERTY. Kefren, Kefren. Attends, il faut pas que j'oublie les anciens. Là, les anciens, ils sont où les anciens? Attends, mais j'ai loupé trop de monde là. J'ai loupé trop de monde. Cartoon, Cartoon. Oh, attends, Cartoon, attends. Eh, hey, c'est quoi? Attendez les gars. Attendez. Tous ceux qui ont 5 subs, je vais faire maintenant tout de suite un secteur de riches. Voilà. Voilà. Voilà ce qu'on va faire. Je sauvegarde. Crée des quartiers, crée des quartiers. Tu peux même créer un quartier voilà. De riches. Et tous les riches voilà. Du live seront là-bas. Parce que les pauvres, ils seront là-bas. Hein voilà. Les sub tier 1, ils seront là-bas. Et. Alors, les gars, je le fais où le quartier de riche? Je le fais où? Bah, t'as une grande plaine là à droite, hein. Ouais, à côté de la. À côté de. Bon, je voulais faire un parc d'attraction là-bas. Ah, oui, bah. En bas à gauche, là, il y a un petit espace à côté. Mec, non, mais viens, on j'achète en bas. Allez hop, bah j'ai oui, acheté là, en bas, c'est fini. C'est fini, je peux plus rien acheter. Là, on fait un pont, et là, il y a tous les riches. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Bah alors, il faut créer le quartier, carrément. Genre... On va créer le quartier, aidez-moi. Ah, bah oui. Alors, il faut d'abord faire un beau pont, un joli pont. Alors... Attendez les riches, pause, tout le monde est pause. Attendez, juste laissez-moi finir. Parce que là, on a des noobs. La résidence Nikoko. On a la résidence ici. Guise qui est riche. Hein. Guise Cartoon Live, hein. Les riches, on vous note. Ici, on a Hera Estia. Voilà, c'est en QWERTY, hein. Je suis désolé. Ici, on a Volibear. Faut bien l'écrire, votre pseudo. Hein. S'il n'est pas écrit en QWERTY, c'est pas possible. Faciolo ici. Voilà, il a sa résidence. Sofops, hein, qui est riche, qui a envie d'être dans le quartier des riches. Réservez les places VIP, s'il vous plaît, les modos. Merci. Voilà, Torpedux, là. Ça, c'est bien, ça. Nathan, je vais te mettre une très, très jolie villa, hein, si tu veux bien savoir. Très sympathique. Lauriane, voilà, c'est en QWERTY. Te plains pas ou je te bute. Et si tu te plains, si tu veux te plaindre, si tu veux que je réécrive ton pseudo, t'offres 5 subs. Tego, voilà, ça c'est bien ça, je crois que j'ai oublié personne. Si on a Yona ici, Yona qui s'est installé. Yona qui a décidé de s'installer. Puceau Poirot, bravo à toi. Voilà, bravo, bienvenue dans ma ville, mesdames et messieurs, bienvenue dans ma ville. Jossi qui est sur la liste VIP, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu veux prendre le café des riches? Attends, j'avais pas assez de thunes, attends, viens, il faut que je fasse de la thune. Mettez en pause les riches, mettez en pause! Il me faut de la thune là, il faut qu'on vole aux pauvres. Comment je vole de l'argent aux pauvres? Là, tes citoyens ils demandent des magasins. Ils veulent des petits. Si tu peux. Des petits ou des gros? Des magasins, ouais. Attends, là c'est des quoi ça? Bon, c'est la même chose. Tu peux faire des petits ou des gros, c'est la même. Ok, on va faire des petits. Mais il y a un truc de bien, c'est qu'après, avec le zonage, tu pourras faire des magasins, je sais pas moi, des produits locaux, des magasins genre discothèque et tout. Et il y en aura et ça apporteront plus d'argent ou plus de bonheur, tu vois. Si je mets des magasins à côté des autoroutes, c'est de la merde ou pas? Non, c'est pas grave, il y a que les maisons en fait qui se plaignent. Ok. Je veux des magasins, mon frérot, tu vas voir. Ça roule. Ah ouais, une dernière chose, tu vois là t'as un truc qui pollue, là, une décharge en plein milieu. Les mets jamais tout près des bâtiments, sinon ils vont tous être malades, tous crever en fait. Ouais mais je les mets à côté des shops, on s'en fout non? Ouais non, les shops on s'en fout, hein. Mais vraiment c'est les shops, maisons, bureaux, on s'en fout. Ouais, t'inquiète là, tout ça c'est des shops je crois. Pas de soucis. Ok, des noms de rues pour les plus riches. Oh c'est pas bête ça. Attendez les gars, excusez-moi mais il faut qu'on vole de l'argent aux pauvres. Alors excusez-moi les gars. Mettez en pause vos subs, hein. Jossi, il est sur la liste VIP. Oursandbeer, le pur BG. Vous êtes sur la liste VIP, les modos, au boulot les modos. Hein, on a du travail. Là les gars, les ingénieurs là, immédiatement, il faut qu'on trouve un moyen de choper de l'argent aux pauvres. Maintenant. Bah, les magasins, c'est une bonne idée. Genre déjà, les magasins, ça chope beaucoup d'argent. Ok, oui, mais là pour le moment, on perd de l'argent les gars. Est-ce que j'enlèverai pas les politiques? Mais il y a des politiques, elles t'apportent beaucoup de choses, hein. Il faut vraiment pas les enlever. Du style tri des déchets et tout, ça apporte beaucoup de bonheur. Si tu les enlèves, t'es dans la merde. Hein. Ouais, mais c'est pas grave, au pire, je les dégagerai, ils sont pas contents. Oui, mais s'ils dégagent trop, t'as plus d'argent. C'est vrai ça. Là, après, je vais plus faire plaisir aux riches. Voilà. Beaucoup d'argent, il y a les industries spécialisées, par exemple une foresterie ou une scierie, des choses comme ça. Mais tu il a le DLC ou pas? J'ai des DLC. Il y a tout. Non, j'ai pas tout. Industrie, ouais. Ah, t'as pas tout acheté? DLC industrie, tu l'as ou pas? Industrie, ouais, je l'ai. Ok, bah tu vas pouvoir faire des industries forestières ou des industries spécialisées comme il a dit. Attends, je les mets bien là, je leur mets des parcs à ces connards. Fais attention parce que ça coûte de l'argent aussi à ça. Les parcs? Ouais, mais j'ai pas le choix. Là, c'est les poubelles, frérot, les poubelles, c'est toujours l'enfer là. Les gars, il faut qu'on règle le problème de route et si on règle le problème de route, je vais stoncer. Va dans ta vie, tu regardes où sont les traits rouges et après on. Ah là on peut voir qu'il y a un problème. Ça. Ok. Genre plus devant nous. Ok, on va régler d'abord ce problème. Ouais. Alors. Ah bah là c'est le même problème qu'avant. Tu vois, il y a une route en plein milieu et ils sont en train de tous la prendre en parole, comme des cons. Genre là, tout au milieu il y a une route et ils font un par un. Je sais pas si tu la vois ou pas. Là où t'étais? Là où t'étais, il y a pile temps à t'assouer dessus. Là? Ah non, un petit peu au-dessus à droite. Genre en dessous, il y a une seule route qui traverse les deux et en gros ils la prennent tous à part. Là il y a une petite intersection. Ouais celle-là. Ça y est, c'est dégagé. Voilà, ça c'est horrible ça.
Ok. Ah oui, mais ça aussi c'est horrible. 3000 balles, moins 3000 balles. Attendez les riches, vous les notez les riches. Merci les gars pour les serveurs au passage. Votre ville sera incroyable, je vous garantis. Alors abonnez-vous les gars, payez votre taxe. Ensuite, je fais quoi? Là on peut voir, c'est microscopique. Ils veulent tous se barrer de l'autre côté. C'est-à-dire que tu peux faire une grande route, au pire qu'ils fassent un petit peu le tour. Sinon là ça va être vraiment le bordel. Genre là voilà, c'est exactement la même chose. Il y a juste une minuscule route et ils la prennent tous. Donc je fais une route qui se casse là? Tu peux faire une route qui se casse. Aussi t'as des endroits où c'est des sens uniques et juste après c'est des petites routes de merde où c'est des doubles voies. C'est ça ouais. Et ça bloque tout, tu peux là où t'étais juste avant. Ce qui pourrait régler le problème c'est que tu peux changer, tu mets juste une route simple. Mais tu peux aussi relier l'autoroute, ce qui améliorerait le trafic. Parce qu'en soi là ils veulent tous se barrer sur l'autoroute. Bah si tu les amènes plus vite, ils y seront déjà quoi. Donc là on propose quoi là? Vous proposez quoi les ingénieurs là? Tu vois tes routes là, voilà, tu fais juste une tu relis. Bon pas comme ça sinon c'est la merde mais. Comment ça c'est la merde? Bah il faut. Tu vois l'échangeur? Bah tu essayes de faire un truc un petit peu propre comme ça. Pardon? Comme l'échangeur. Bah l'échangeur juste au-dessus là, il y a un échangeur. Bah ouais mais tu veux que je refasse un échangeur? Bah je vois. En gros tu fais une sortie et une entrée quoi. Ouais une sortie, une entrée, genre des routes normales, des routes d'autoroute. Ouais. Comme mais ça? T'es pas obligé d'acheter les changeurs d'un coup. Mais je fais quoi? Faire des routes quand même. Tu prends des petites routes et tu fais juste une entrée, une sortie, c'est bon? Ouais, c'est vraiment juste ça. J'ai pas compris. Bah, une entrée, une sortie. Comme si c'était un échangeur, sauf que tu le construis toi en fait. Comme ça? Ouais. C'est ça, et qui passe au-dessus et qui relie l'autre route. Genre, qui relie. Avec des voies d'insertion, hein, pas avec des. Pas avec ça. Avec des voies d'autoroute. Les voies d'autoroute là. Dans l'autoroute, il y a des petites routes d'échangeur en fait. Il y a des petites routes d'échangeur. Voilà les petits. Ouais, ça aussi c'est bien. Voilà. Puis maintenant tu fais un pont qui passe au-dessus des deux. Voilà. Tu fais un petit pont qui passe au-dessus. Pour faire le pont, c'est la touche. Ouais, c'est page up. Ouais. Tu fais ça, puis tu fais page up. Pas dans ce sens-là. Hein. En gros, tu fais une ligne droite en construisant, et puis quand tu construis, tu fais page up pour que ça fasse un pont. Ah, c'est cassé. Ah, voilà, ouais, comme ça. C'est la pente, elle est trop acclinée là du coup. Et la bombe ! Boum, comme ça, et puis boum, relié. Et boum ! Ouais, voilà. Et puis tu refais la même chose, mais dans l'autre sens pour qu'il puisse Magnifique sortir. Magnifique ! Mais il faut qu'il puisse sortir aussi, hein. Et alors, ils sortent ? Non, là, ils sortent pas, là, ils rentrent. Ah oh merde! Oui, là il rentre. Mais vous pas qu'il rentre? Bah non, il faut qu'il sorte aussi. Alors tu fais la même chose, mais dans l'autre sens. Genre, tu relis juste. Tu peux essayer de faire avec la grande route, ce sera plus simple. Genre la grande route à la place de la petite. Bon, ouais, c'est vrai que ça marche aussi. Cassez-vous de ma ville! Voilà! Cassez-vous! Ok, je regarde le trafic. On perd un petit peu moins d'argent là. Moins 300 balles. On gagne beaucoup de population, messieurs. C'est incroyable. Il y a, depuis que les gens payent leurs taxes, les subs, pardon, eh bien, bizarrement, là, on commence à gagner plus d'habitants. Je vais encore avoir plein de problèmes de trafic là. Ouais, bah écoute, très bien. Prends les notes. C'est ça le plus opti ou pas, les gars, de faire ce que je fais là? Il faut juste que tu relies les routes à celles qui existent déjà. Par exemple là tu viens de relier mais t'as cassé les autres maisons et du coup le trafic il sera pas opti, t'as vu. Je sais pas si t'as vu ce que t'as fait ou pas. Hein. Mais t'as relié et ça a fait deux petites routes là et ça a fait on dirait une petite crotte de route au milieu là. Ah ouais, ça c'est pas opti du tout ça. Genre il faut relier déjà aux routes existantes en fait. Ah c'est pour ça qu'il faut cliquer sur les ronds. Ouais c'est ça ouais. Ouais. Ah ce qui est vraiment pas opti avec ce que tu fais c'est que tu vas relier une route principale avec plein de petites routes. Mais je suis obligé parce que si je veux créer des bâtiments je fais comment? Ouais mais en fait regarde par exemple là la route que tu viens de créer là celle-là sur laquelle tu es. Tu peux à partir de celle-là faire un quartier tu vois. Et comme ça cette route-là a que une intersection sur la grande route en bas. Au lieu d'avoir 15 intersections sur ta grande route tu vas avoir une intersection sur ta grande route. J'ai pas compris je fais quoi? Qui elle-même va avoir de. Je fais quoi? Je comprends en bas. Bah, par exemple,
refais la route là que tu viens de faire. Que tu viens de casser là. Ok. Par exemple, là, ouais, comme tu fais. Au niveau de ton rond-point là, tu crées une route qui va jusqu'à ton monorail ou n'importe. Et de cette route là que tu crées, elle a des intersections mais qui ne retournent pas sur, le, sur la grande route. Tu vois ce que je veux dire? Non, je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse là? En gros, il veut que tu fasses un quartier résidentiel comme IRL. Genre qu'il y ait un sens unique, par exemple, dans le quartier, et que les gens, ils aillent directement juste sur la grande route. Il veut pas, en fait, que tu relies les grandes routes entre elles par des petites. Bah, pas trop, en fait. Donc, entre qu'est-ce que je fais concrètement? Entre ton rond-point et ta route à monorail, tu fais des intersections, mais sur cette route-là, mais qui rejoignent pas ensuite la route à monorail. Compris. Comme ça, cette route-là, elle sera pas intersectionnée de... Comme ça. Voilà. Voilà, oui. Sans... voilà, parfait. Ça c'est bien ça. Comme ça, ça c'est bien ça. Intersections sur les routes principales. Tu ouais, vois. Et puis tu les relis entre elles si tu veux que ce soit un peu plus joli. Et c'est pas grave s'il y a un écart là de merde là. Bah t'auras juste moins de maisons quoi mais. Non c'est très bien. Mec j'ai une demande d'industrie là. On va rebondir. Parce que là on va crever les gars. Bah si tu mets des industries c'est très bien. Tu seras beaucoup payé les gars. Pas que j'ai taxe plus. Bah tu peux les taxer plus hein. C'est dans le budget en bas à droite le dollar vert. Les gars, ici on a du boulot. Ici on a du boulot, on a vraiment beaucoup de boulot là, les gars. Avant de faire la chez les riches là. Non, t'as un gros problème de poubelle là. Quoi? T'as un gros problème de poubelle là. Les ouais, je sais, mais est-ce que quelqu'un peut travailler dessus là? Et en fait, c'est... le problème c'est que c'est à cause du trafic ça. T'as des incinérateurs ou pas? T'as un problème avec l'eau? Mets en pause. Oh là là, t'as beaucoup de problèmes d'un coup là. Ouais, faut que tu mettes en pause là. Okay, j'ai bon. Trop de problèmes. Ça doit être avec l'électricité, non? Qu'est-ce que c'est cool. Ah non, ça doit pas être relié avec l'eau. Non, mais c'est juste ça suce trop et du coup. Ah, oui, y a plus assez d'eau. Et ouais, surtout que j'ai baissé le budget. Ah merde. Hein. Et t'as déjà taxé un petit peu plus tes citoyens ou pas? Je suis à 13%. Ouais, il est au max. Hein. T'es à 13%? Ah oui, c'est déjà un peu beaucoup, ouais. Ouais. Électricité c'est pas bon là, qu'est-ce qui se passe là? Je meurs? Il faut que je remonte si le budget? Un peu plus remonter un peu plus ouais. Ouais ouais. Tu vois là vu que t'es arrivé dans la barre jaune, il y a des endroits où l'électricité y en a plus assez. Ok. Ah ouais t'as vraiment pas beaucoup de budget pour l'électricité. Hein. L'eau c'est ouais, bon, base, l'électricité c'est bon. Il y a une centrale nucléaire pour 600 mégawatts. Ok ouais. on est de retour. Je vais faire la demande des noobs là. Par contre les gars, je vous jure, on a un trafic ici les gars. C'est tu dois mettre 3 jours pour arriver à destination. Bah tu veux pas le relier à l'autoroute? Tu veux pas juste recréer une autre autoroute qui va jusque là? J'ai envie de pleurer, voilà, tu vois ce que j'ai là? J'ai envie de pleurer, voilà, si tu veux savoir ce que je veux faire. Là t'as une énorme demande d'industrie ou de bureau hein. Donc si tu t'en mets là, ça a gonflé en 2 secondes quoi. Ouais, je sais pas comment faire, je sais pas comment faire. Ouais, tu fais juste des routes et après tu mets la. En bas les couilles, en mode bas les couilles. Allez, ça part. Ouais, bah comme ce que t'as fait là. Comment ça, ce que j'ai fait là? Vu que tu les testes autant le trafic, tu peux aussi faire des bureaux, hein, vu qu'il y a quasi pas de trafic avec les bureaux. Et les bureaux, ça compte comme demande industrielle. Hein. Parce que là, les gars, ouais. Plus je fais des industries ici, plus mon trafic, ça va être l'enfer en bas. Ça va être le bordel, ouais. Oh putain de merde. Mais tu peux faire des bureaux à la place. Bien, ce qui peut être bien, c'est d'avoir un périph' qui soit fonctionnel quoi. Parce que là, il y a une voiture tous les 1000 ans. Comment ça, il est pas fonctionnel? Il est peu utilisé. Tiens, déjà, je vais faire une autre entrée ici. En gros, plus tu fais d'intersection, plus il y aura de moments où ils vont attendre. Mais quoi. Ils veulent tous s'agglutiner là-bas, c'est Cucklord! Bah, je pense qu'ils vont chercher l'autoroute, hein. Non, ouais, mais je sais pas où ils vont. Tu peux pas faire une autoroute qui va direct là-bas? Ça serait bien. Ah si, ouais, normalement t'en as déjà une. Genre au niveau du rond-point, tu vois. Putain, à la limite du rond-point jusqu'au périph', quoi. J'ai ça peut être cool. C'est de me casser d'ici. T'as aussi une demande de résident. On perd de l'argent, les gars. Là, je vais être à sec.
Si vraiment la dernière option pour ne pas être à sec, c'est vraiment vite de fermer des écoles, vite de fermer des stations de pompiers ou faire des trucs comme ça. Ah ouais? Baisser le budget aussi. Je pense. Baisse le budget des pompiers, baisse le budget des trucs. Fuck les pompiers! Des écoles déjà parce que. Baisse le budget des écoles. T'as combien? Fuck les pompiers! Non, le budget des bâtiments uniques aussi, tu devrais le mettre à 50%. Il est à 18 000 là, c'est énorme. C'est quoi un bâtiment unique? Tu vois le building ou pas? C'est le building? Ouais, ouais, mets 50 là. Ouais, celui-là, ouais. À 50. Voilà. Là, tu vois. Ok, on gagne l'argent, les gars, on gagne l'argent! Putain! C'est pas important. Ça, c'est bon, ça. On a tous les ingénieurs de la planète, les gars, qui sont là. Les poubelles! Mais c'est aussi encore université, hein. Enfin école. Mec, regarde, j'ai mis une poubellerie ici, les gars. Je comprends pas pourquoi là ils ont des poubelles. Tu peux juste regarder si t'as des incinérateurs tout près. Ils sont là, hein. Il faut que je mette des incinérateurs, c'est obligé? Obligatoire, ouais. Bah, si t'as pas d'incinérateur, attends, moi j'ai centre de recyclage. Mais centre de recyclage, c'est que pour les recyclages, hein, pour le coup. Hein. Genre, c'est là, j'ai deux incinérateurs, j'en ai deux là. Ouais, mais. Bah, non, mais pas plus alors. Je pense que c'est le trafic alors. Ouais, c'est le trafic, c'est à cause de ça. Ouais, c'est le trafic. Ouais. Depuis le début. Mais ouais, là, le problème, mec, c'est qu'ils comment font lui, tour, il est pas. Ils font tout le tour et après, ils sont bloqués. Mais non, ils ont juste à faire ça, clac, 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 clac. Oui, mais en général, ils vont faire tout le tour parce qu'ils sont bêtes. Mais putain, mais. Je vais pas payer des connards qui sont bêtes. 42 000, les gars, on gagne de l'argent. 50% ouais, les monuments, je crois que c'était ultime. Hein. Mais je pense vraiment le plus important là, c'est juste le trafic. Hein. Tu mets le trafic et après c'est bon. Enfin, tu règles le trafic, c'est bon. Y a l'eau aussi, y a l'eau. Ouais. C'est bon. Ah, bah ton tuyau il est pas relié en fait. Oui, il est pas relié. Ah voilà, maintenant ça va aller. Oula. Ah bah y'a tout le monde qui se casse la gueule. Ah non, c'est bon. Oh mec, les poubelles c'est. Jean, je vais gerber. On a un scam train. Métropole, aéroport, let's go baby! Yeah! Ok! Fais attention à les aéroports, hein. Ça coûte extrêmement cher. Je m'en bats les couilles. Ok. Frérot, comment je fais là? Là, on a un problème de trafic, les gars, s'il vous plaît, aidez-moi. Va dans infotrafic et tu regardes les trajets. Et après, juste après, on va régler ça. Ouais, c'est problème, impossible à régler, frérot, c'est mort. Regarde les zones rouges. Ici c'est rouge, mais c'est pas le plus important, je pense. Il y a d'autres endroits encore pires. Mais mec, tout ça c'est rouge. Un peu dézoomé. Là, il y a un vrai problème. Là. Ah, mais faut que tu dézoomes. Regarde, tu vois, par exemple, là ici c'est hyper rouge. Là, regarde, tu vois là. Là, attends, là, oui. C'est à cause de la petite route, tu vois. T'as une petite route, ils font un par un, comme des cons. Ouais, en gros, là tu peux enlever le feu déjà, je pense. Où ça? Tu peux. Là, devant toi, là. Non, on tue. Tu vois dans l'intersection là où il y a 40 000 personnes, là, oui, ici. Là en fait, ils sont comme des cons en s'agglutiné sur une mini route où ils y vont un par un. Ça c'est pas bon ça. Détruis l'intersection là au-dessus. Tu vois la route qui se rajoute là. Ouais ça voilà ça. Il faut que tu refasses ça bien. Ouais bah. Voilà, c'est déjà mieux. Ça. Ouais déjà ça va être mieux. Là je laisse comme ça. Largement ouais. Ouais. En fait quand tu mets des intersections, ils vont tous vouloir passer par le plus rapide et ils vont se coincer au même endroit quoi. Mais par contre, il va falloir quand même relier ta route autrement. Mais je sais pas comment on va rendre. Attends. Ah, en gros, à la limite, je pense. Là, je pense qu'ils utilisent plus le périph', hein, du coup. Ouais, en gros, faut limite bloquer et obliger à passer par le périph', quoi. Et vu que là, t'as une route à sens unique, par contre, tu peux la mettre à sens unique aussi, là. Là, ici, là? Ouais. Non, ouais, c'est là qu'ils font la queue pour rien, ces coqs, là. Là, voilà, ils font la queue pour rien, eux. Fais un sens unique. Ils sont trop bêtes aussi, mec, genre. Tu modifies, tu mets sens unique. Eh, c'est pas mon boulot de mer aussi, je peux les mettre en tôle. Ils respectent pas le code de la route, c'est Cucklord. Je pense pas. Ça pourrait être bien, ouais. Eh, les gars, on a 400 000 balles. Ah, ça monte, hein, ça monte. C'est cool. T'as encore une demande industrie au bureau. Je peux savoir pourquoi il dit que c'est pas connecté, ce cuck. C'est dans le mauvais sens, celui-là. Mauvais sens. La flèche. Merci. Non, tu t'es. Ah, si. Oh non, si. Je vais aller. Parfait. Là, normalement, ça doit déjà aller beaucoup mieux. Attends, je vais checker. Waouh, les magiciens! Mon rond-point est dans la merde. Les magiciens! Ou par contre, là, celui que j'ai créé ici, c'est. Il cartonne. Bon, pour moi, à la place de mettre le rond-point, j'aurais mis direct l'autre route qui passe jusqu'au périph'. Hein. Comme ça, au moins. Ok, dis-moi ce que je dois faire, frérot.
Oh mon dieu, mec, l'enfer, il existe, il est là. Oh mon dieu, ouais. Ouais, là c'est. Oui. Tu veux pas les empêcher de partir? Genre, tu les obliges de passer par l'autoroute? Genre, tu casses la route là et ouais. On dit, genre, non, tu pars par l'autoroute. Mets la flèche dans l'autre sens. Enfin, oblige, mets sens unique, mais dans l'autre sens. Ça va les bloquer. Voilà, ouais. Avec une petite route. Parce que là, c'est une grosse. Genre, là, tu vois, tu les bloques et tu leur dis non, tu passes par l'autoroute. Celle-là, là, ouais. Tu mets une petite route en sens unique. Pas besoin de supprimer le reste. Je comprends pas. Mets une petite route, sens unique. Là, c'est une grosse, t'as mis une deux voies. Enfin, tu veux mettre une deux voies. Tu empêches le quartier industriel de venir directement dans ta ville. Genre, tu les forces à aller par l'autoroute. Mais non, mais comment soit ils vont supprimer le rien. Tu changes. Tain, mais ils vont passer par l'autoroute. Mais ils peuvent pas passer par l'autoroute, c'est pas pratique, non? Mais si, pour le coup, si. Si, c'est pratique. Il faut tous qu'ils passent par un endroit, comme ça, au moins, il y aura pas de bouchons, quoi. Mais rien, y'a plus personne qui bosse les poubelles! Parce que mes routes, elles puent la mort! Mais parce qu'il y a. Non, c'est juste qu'il y a trop de trafic, du coup, ça... T'as vu comment il y a une queue de taré? Comment je fais pour les tuer? Tu cliques dessus, tu m'as supprimé. Là? Lui là? Lequel? Corbillard. Ah bah non, bah ça va pas lui. Ah non. Corbillard, faut pas le supprimer. Ouais, il y a des bombes, enfin tu peux. Ah ouais. D'ailleurs, voilà, tu viens de cliquer dessus et là tu peux voir où il va le corbillard par exemple. J'en ai assez. Voilà, là tu viens de supprimer et comme ça ils prennent obligatoirement l'autoroute. C'est bien. Ouais. Après là t'as bloqué. Ouais, bon là t'as bloqué la pauvre route qui a rien demandé. Mais... Ouais. Non, mais c'est normal, il faut casser pour mieux reconstruire. Mais là ça va être beaucoup mieux, ils vont passer par l'autoroute, je pense. Ah, mais t'es là... sûr? Bah oui, parce qu'il n'y a aucune route qui relie directement ton autre intersection, donc normalement c'est bon, regarde, tu vas voir. Voilà, ouais, ils sont tous en train de partir là. Très très bien. Là c'est bien, ouais. Regarde à droite, enfin réappuie sur bien, le bouton trafic, tu regardes les autres zones rouges, ouais. Ouais, il faut juste que tu reconnectes ce que tu viens de détruire là, l'autre bloc. Tu vois là, tu viens de détruire une route et ils ont plus de route là, ici. Ouais, là. Genre tu peux te demander. Mais je les emmerde. Ouais, mais il leur faut des voitures, hein. T'es pas obligé de reconnaître. Ouais. Je comprends rien. Non, pas là. Non, pas là. Non, en bas. Redétruis ça. Ouais, ça là, c'était des... crématorium. Voilà, tu vois, crématorium, en bas à droite. En bas à droite, t'as un gros bloc là. Et bah, il est pas relié par la route. Tu peux le faire par une petite route au pire, hein. Tu peux prendre une petite route. Voilà, et tu le relis. Je relis quoi? Mais tu vois, à droite, t'as des bâtiments juste à droite. Entrepôt, crématorium et tout, bah ils sont pas reliés là. T'as vu, ils ont pas trop de... Ah, c'est, j'ai compris. Ouais, c'est bon. Prends une petite route parce que là, ça va être chiant sinon. Ils vont te bloquer à chaque fois. Ouais, voilà, tu fais... Mais voilà, mec, les petites routes, j'en veux plus. Je veux que des énormités de routes dans... T'en mets pas après. Déjà là, faut avoir de l'argent. Tu feras des quartiers des riches. Mais ouais, mec, j'ai hâte de faire le quartier des riches, j'en peux plus les gars, j'en peux plus, je suffoque. Là, regarde côté autoroute parce que là il y a un bouchon qui se crée. Non mais les gars, je passe ma vie à gérer ce trafic. Je vais commencer, comment je leur balance des météorites à ces bâtards? Bah, au pire, tu peux même leur dire qu'il y a que les citoyens qui peuvent rouler dans ta ville. Genre les touristes, les exportateurs et tout, il y a personne qui roule à part tes citoyens. Ouais, tout ce qui est camion, etc., ils vont être obligés de passer par les autoroutes. Ouais, tu peux faire ça. C'est dans les politiques, ça. Oui. Ça s'appelle intramuros. Mais il faut déjà peindre des quartiers. Oui, pour ça, il faut peindre des quartiers. Ouais. Regardez tous les trafics, hein. Des endroits où... Tu vois, par exemple, là, à droite, t'as... Enfin, dans ton tunnel, t'as un énorme trafic. C'est-à-dire... Mec, j'en ai marre. Et en plus, on perd de l'argent. Là, ça cause des feux rouges, là, je pense. Non, on a déjà fait ça. Non, c'était ça. Là, ici, là où... le dernier feu rouge... Enfin, le dernier endroit où c'est rouge, je pense qu'il y a un feu rouge et c'est... Ouais. C'était sur l'autre voie. Parce qu'il y a un accident, frérot. Ils sont trop cons, regarde, là. Non, c'est juste que c'est bouché. Enfin, il y a des stops. Ils sont trop cons, je te jure. Enfin, des feux rouges. Il y a un accident, là. Non, il y a pas de feu rouge, là. Il y a pas de feu rouge, hein. Regardez, il y a zéro feu rouge. À droite là. On a enlevé tous les feux ici. Encore. C'est juste qu'il y a masse accident là. Qu'est-ce qu'ils font toutes ces ambulances de merde? Dézoome un peu.
Attends, là à droite, à droite. Ouais. Ici. Encore à droite. Ah bah non, mais non, je vais regarder. Non, on l'a retiré, frérot. Il y a peut-être un stop. Hein. Ouais. Attends, mais comment c'est du coup qu'ils s'arrêtent toutes les deux secondes? Parce que là, c'est une minuscule route et ils comprennent pas qu'ils peuvent aller. Parce qu'il y a un accident, frérot. Ils font que de la merde avec ces putains de stops. Ils grillent les stops. Bon, par contre, là, j'avoue que. Il y a un accident là. Ouais, ah, il faut que ça roule. Sinon, voilà, tu mets. Tu vois. Attends, retourne là où t'étais au moment où t'as mis. Ouais, là ici. Bouge pas. Tu vois, là, au pire, tu mets sens unique, mais dans l'autre sens. Comme ça, moi, ils pourront pas arriver et bloquer la route principale. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais tout bloquer, frérot. Là, je commence à en avoir, mais ras les pâquerettes, frérot. En fait, je commence à en avoir ras les pâquerettes. Tu entends? Ras les pâquerettes! Tu vois les pâquerettes? J'en ai ras les pâquerettes! Bon, c'est quoi, mec, j'ai 300 000 balles. On va rester là-dessus. On va faire la ville de riches. Et au moins, les riches, ils vont nous ramener de l'argent. Et les pauvres, on s'en occupera plus tard. Alors, les riches, comment je fais? Je fais une autoroute? Tu peux faire une autoroute. Ouais. Et si tu fais un pont tout droit en plus sur une petite architecture bien sympathique. Ok, et là, je le fais là, ici, là? Bah, tu peux faire une ligne droite de où t'as ta souris jusque là, ouais. Putain de merde, c'est en pente. Les riches, ils vont vraiment être. Ça va être Beverly Hills. Ils peuvent tu peux mettre les maisons sur la colline et faire même un petit centre balnéaire en dessous. Genre des plages et tout. Vous voulez des plages, les gars, c'est 10 subs. Mon bulldozer, il fait pas son taf. Bah, regarde, avant des spots. Bon, les gars. Je fais quoi? Autoroute? Et j'avais partir d'où? Est-ce que t'as une. Je peux encore acheter! Ah bah achète juste à côté alors. Là? C'est là. Deux là, ouais, c'est bien. Les deux à gauche là. Ah, je peux acheter qu'un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il m'en reste plus qu'un. Il m'en reste plus que deux, pardon. Bah, ce serait dommage d'acheter de l'eau quoi. Mais après. Comment est-ce qu'il connecte? Mais comment est-ce qu'il connecte du coup? Parce qu'il peut pas mettre son autoroute dessus. Hein. Ah, c'est ça le problème. Bah en soi, t'es obligé d'acheter de l'eau. Mmh. Bah, pour le coup, si tu veux mettre un pont et qu'il n'y a pas d'autoroute, compliqué. Oh putain, les riches, ils vont me coûter ma game. J'ai acheté pour les riches. Ou alors, ils pour vont les riches en ferry, quoi. Oh, les riches en ferry! C'est vrai que tu. Oui, mais il faut faire attention, hein. Ça coûte cher aussi, ça. J'ai acheté. Et tu peux aussi acheter celui de gauche, comme ça, on relie directement l'autoroute aux riches. Je peux pas. Ça serait bien, ouais. Ça serait bien qu'on relie l'autoroute. Au max, là. Il faut que j'atteigne le prochain truc. Ah. Et c'est bientôt. C'est dans 10 000 habitants. Oh, bah c'est bon, tranquille. Mais attends, viens, je fais le pont ici, là, comme ça. On pré-shot. Ouais, le problème, c'est que si tu pré-shot le pont, que tu mets des maisons et qu'il y a personne qui y va. Je mets ma maison à côté de la plage, j'ai 25 subs. Oh merde! T'entends? On a des actionnaires, là! Et tu peux même mettre des hôtels et tout, hein. Non, j'ai comme pas les ça, hôtels les encore. Gens, t'as pas les hôtels? C'est après ça? Ouais. Ok. Bon, au pire pour le trafic, on règle ça après, non? Vu que ça fait un peu péter un câble. Le trafic, frérot, je vais casser mon mur. Tu entends? Je vais casser un mur. Pour moi, c'est le plus important, hein, c'est le problème. De quoi, le trafic? Ouais, là, c'est ouais. Ouais. Mais en fait, c'est pour ça qu'ils demandent tout le temps les poubelles, etc. Tu vois. Bah ouais, je sais, mec, et c'est pour ça que j'ai envie de leur tuer. Et si je leur balançais des météorites, frérot, ça irait plus vite, non? Manque de service, ça veut dire quoi, manque de service? Manque de service, ça veut dire quoi? Il n'y a pas assez de hôpital, de genre de soins, il n'y a pas assez de pompiers, il n'y a pas assez de transport. Le service, quoi. Le service public. Casse les couilles. J'ai mis. Mec, attends, ils sont à côté d'un hôpital, d'un centre de pompiers et d'une gendarmerie. Quartier général de police. Mais cassez-vous! Ils sont pas contents, mec, ils sont pas contents. Ok, je vais supprimer ça et on va laisser passer. Oh, ça me casse les couilles. Il me faut 10 000 habitants en plus. Il faut qu'on farme 10 000 habitants. Ok les gars, il faut qu'on farme 10 000 personnes, comme ça on peut acheter la zone de gauche et comme ça on pourra mettre les riches. Si tu veux farmer des personnes, tu mets juste des quartiers building au pire. Attends.
Attends, je vais mettre plus d'industrie ici. Frérot, j'en peux plus, mec, le Traffic Simulator, j'en peux plus. Il faut vraiment que tu penses à une chose pour le trafic, c'est que les autoroutes, c'est juste le best truc à faire. Genre, les autoroutes, c'est tout le temps le meilleur truc. Mais c'est pas ce qu'elle dit, Hidalgo. C'est pas ce qu'elle a dit, Hidalgo. C'est-à-dire ? Hidalgo, c'est les vélos pour elle. Les trucs pour dégorger les routes, c'est les vélos, d'après elle. Moi, j'ai confiance en Hidalgo. Hashtag gauchisme, hashtag j'aime Hidalgo. C'est la meuf la plus détestée de France, je crois. Ouais. Dès que je rentre dans un Uber, ah Hidalgo. Ah là là, putain, il s'est poté taxi là. Ok, ils veulent des industries, pas de problème. Ah, c'est okay. Industrie commerciale aussi, c'est dans les zones commerciales un peu. Ok, ok, ok. Ok. C'est pas mal ce que je fais là ou pas? Dites-moi. Hein. Ouais, c'est pas mal. Bah, t'as parlé, c'est bien. C'est bien que t'as parlé au-dessus. Ouais, mec, j'ai pas eu conscience de ça quand j'ai commencé ma ville, tu sais, de faire des intersections en fait. J'étais vraiment en mode vas-y, bah, les couilles des intersections, tu vois. Même en bas. Et faut mettre des petites routes? Faut mettre des petites routes? Je serais pas, je relierais une sur deux à la route en bas et les routes entre elles au milieu, une sur deux, pareil, reliées mais entre elles, tu vois. Pour pas que. Comme ça? Pour pas que ta route principale en bas soit tu vois 15 intersections. Comme ça? Ouais, comme ça, et tu casses l'intersection en bas, tu vois. Comme ça. Comme ça, ils vont pas s'arrêter tous les 10 mètres, mais tous les 20 mètres. Et déjà, tu gagnes un petit peu quand même. Voilà. Comme ça? Ouais, comme ça. Ouais. En prolongeant jusqu'au bout, tu vois. T'es sur ta strat là? Ouais. Non, ouais, ouais, ouais. Comme ça? Oh non, mais il faut laisser, hein. Attends, il faut laisser. Une sur deux, une sur trois, mais. Pas trop collé, hein. Voilà, oui, voilà, et celle-ci. Voilà, elle est assez bonne là. Ouais. Que... Voilà, parfait. Tu peux même prolonger un petit peu les routes, tu vois, pour qu'elles arrivent au bord de la route, mais sans les relier, quoi. C'est bon, je vous comprends là? Putain, je suis en langage ingénieur, ouais, je comprends bien le langage des ingénieurs là. Là, c'est très bien, ouais, ça, c'est parfait. Voilà. Là, on est au petit là? On est au petit. Ta route principale, du coup, sera moins engorgée tous les 5 mètres à avoir un feu ou une intersection. Putain, mec, j'aimerais bien voir cette. J'aimerais bien qu'on gagne de la thune là. Les gars, j'ai pas mis de transport en commun, j'ai rien mis. Hein. Bah, ça, c'est aussi ce qui peut faire trop de trafic, hein, les transports en commun. Créer du trafic? Ouais, c'était trop de lignes. Ça tue et en même temps ça peut être pire. Hein. Parce que mec, le métro ça va bien? Si, le métro c'est parfait. En fait, le métro c'est mieux. Ouais. Et c'est le mieux métro, le métro? Tu dois le ouais, relier directement des maisons jusqu'au commerce en fait. C'est ça le chemin des habitants en fait. Ok, là métro, normalement on va créer de la thune là. Et après on va pouvoir faire la ville de riche. Installe le mode Traffic Manager, c'est bien? Bah ça c'est vraiment pour les ingénieurs. Ah ouais, c'est compliqué à prendre en main. Mais genre, c'est vrai que c'est indispensable après quand tu joues vraiment au jeu. Oui. Et quand avec ça que tu peux gérer voie par voie et tout, non? Traffic Manager, tu peux même faire les petits chemins des voitures une par une, tu vois. Ouais c'est ça. Hein. Les lanes entre elles et tout, c'est incroyable. Mais c'est vrai que ça demande du coup beaucoup de temps pour gérer chaque truc, quoi. Ouais. Et y'en a un, il a dit aussi installe les 88 mode. Oui, c'est vrai que c'est incroyable ça. Ouais, c'est genre c'est, quoi c'est pour. Tu vois là les tuiles que t'as? Là t'en as 9 maximum là, autour. Et bah c'est pour que tu en débloques 81, genre toutes. Toute la map, ouais. Toute la map. Ah ouais? Ouais. Ouais. J'en ai marre! Comment je fais? Workshop. Ah ouais, c'est quoi? Ouais, c'est tuile? Quoi? Comment t'écris? 81, bah tape 81. Écris juste 81. 81 tail, ouais. Ouais. Ça, tu peux t'amuser à faire une grande ville, puis des petits villages autour ou des trucs ouais, comme ouais. Ça. 81. 8-1. Ouais, 8-1, ouais. Et c'est juste 81 81 tiles. Genre tiles, T-I-L-E-S. Il y en a un, c'est 81. Mec, il est noté 4 sur 5. Ouais, c'est bien. Il s'appelle 81. Que 81? Ouais.
Ah bah non, non, c'est 81 The tiles. World, 81, entre, 81 tiles entre parenthèses. C'est peut-être ça. Le problème, c'est qu'on le voit pas, tu sais, c'est ça le problème. Maureen, 81 tiles, 4 sur 5, mec. Mais mec, lui, il a mis genre... C'est la planète, là, frérot. Bah oui, c'est ça, ouais. Si tu vois la planète, c'est que c'est ça. Et si ta bouche, j'ai pas le temps, frérot. Fixed for exact, CS. C'est 81 tiles, entre parenthèses, fixed for 1.2 plus. Square parenthèse en QWERTY. Allez, sucez ma bite, QWERTY. Attends, j'essaie de le trouver en plein milieu, là, mais je le trouve pas. Deux secondes. Entre parenthèses, fixed. En vrai, tu mets juste 81 c'est bon, je l'ai. En 5 étoiles, 5 étoiles. Ouais, c'est ça. Je l'ai. Ok, là, les gars, on va pouvoir faire la vidéo ici immédiatement grâce à ça. Hey je pense qu'il faut l'activer aussi à celui-là, hein, par contre. Gestionnaire de contenu, genre mode et l'activer. Ouais, voilà, vas-y, dans mode. Par contre, faut redémarrer le jeu. Ah, okay. Oui. Là, il faut vraiment redémarrer le jeu pour le coup. Ok, mesdames et messieurs, les chers, mes chers riches, mon cher peuple, nous sommes accompagnés avec mon consul, l'Assemblée nationale, est prête à vous servir. On a Hidalgo, Hidalga et Hidalgo. Ils sont tous prêts à prendre en soin votre trafic. Je sais que conduire dans ma ville a été quelque chose de compliqué. Je sais, je vous ai entendu et je m'en bats la race. C'est pour ça d'ailleurs que je vais construire une ville de riches juste à côté et où seulement les riches pourront accéder parce qu'on vous emmerde tous. Allez, à la prochaine. Et si tu veux même empêcher que tous les pauvres viennent dans notre traité de riches, tu peux même mettre genre des ferries ou des ponts piétons ou des choses en genre. Ouais. Ça serait pas mal ça aussi. Ça marche pas. Il faut que tu t'appuies. What? Effectivement, ça ne marche pas. Tu l'as activé? Je pense que tu l'as pas activé au final. Je l'ai activé. Il t'a demandé de redémarrer le jeu ou pas? Oui. Je pense pas. C'est ce que j'ai fait. Ah ouais? Tu peux pas mettre genre play? Genre le temps de la map play? Bah perso je viens de le réinstaller et ça a pas changé. Enfin moi c'est bon hein. Il faut avoir Megalopole, il a dit. Ah, okay. Ah oui, c'est les niveaux. Ah, mais t'as pas activé les niveaux, ouais, c'est peut-être ça. Oui. Ok, donc il faut quand même que je farme des noobs. Ok, on y va. Ça. On va farmer des noobs, y'a pas de problème. Alors, farmer des noobs. Comment on farme des noobs? Quand je farme des noobs? Bah, je sais pas si tu considères que c'est de la triche ou pas, mais y'a un mod qui met... Tu vois les trois barres en dessous à gauche là, pour les demandes de population et tout. Mm-hmm. Ça les met à fond d'office. Et en gros, tu as pas besoin d'attendre qu'ils te demandent de la population et tout. C'est dès que tu places un truc, ça se construit. Je sais pas si tu considères que c'est du cheat ou pas, mais... C'est du cheat? Bah, moi je l'ai et bah... C'est après, il y a un autre moyen, mais dans ta situation, c'est peut-être pas le mieux, mais en gros, tu mets les impôts très bas, ça attire la population, mais là... Donc je les bait? Si je les bait? Ouais, genre, tu mets les impôts à 4%, ils vont venir comme des malades, genre, bah, trop bien, et bon... Et après, je les remonte d'un coup. Ouais, c'est ça. Bon, headshot! Ah, bah tu gagnes de l'argent. On gagne de l'argent! Mais honnêtement, si tu as trop de services qui sont collés à un tout près des autres, par exemple si t'as deux casernes de pompiers qui sont trop près les unes des autres, tu peux en fermer une sur les deux. Hein, pour gagner plus d'argent encore. Ouais. Ça coûte vraiment beaucoup d'argent parce que t'as des... Bah c'est à cause de ça en soi que tu payes si cher. Hein. Bah regarde ton budget, tu vas voir le budget de chaque service et après tu peux en supprimer par rapport à ce qui est en trop en fait. Est-ce que tu veux progresser niveau par niveau ou tout débloquer d'un coup et pouvoir faire la ville que tu veux d'un coup? Non, je veux progresser. Ok, ça va. Parce qu'il y avait un mode où tu pouvais tout débloquer d'un coup comme ça, mais non. Même pas un mode en soi vu que c'est intégré. Ouais, c'est pas si je lis dans le chat le mot mode. C'est comme ça, c'est ça? C'est comme ça?
Là au pire ce que tu peux faire c'est aussi en relier. Ça, ça que tu m'as dit de faire. Tu peux en relier une sur deux au-dessus au pire. Toi au-dessus là. Tout ouais nickel ça. Celle qui est pas reliée en bas par exemple tu l'as reliée au-dessus. Oh, je sais pas. Comme ça, boum. Là on a la version la plus opti possible là. C'est vrai que c'est pas mal. On a la version la plus opti possible. C'est parfait. C'est pas mal. Là des grands quartiers comme ça sera parfait pour des habitations par exemple. Genre là tu mets un grand centre de résidence de oh et tout, et c'est excellent. Et moi je te le dis, c'est ce qui va se passer. Et je mets que des grands. Bah des buildings quoi, ouais, ça, voilà, c'est excellent. Ça. Magnifique. Je sais pas si t'as mis l'eau et tout, mais n'oublie pas l'eau. Hein. Oh putain de merde. Ah bah ouais. Là, puis après tu les baites 5 minutes en mettant les impôts à 4 ou 2% et ils vont venir comme des fous et après ouais. Tu les remontes quoi. Ok. Et aussi faut pas oublier, pour que tes habitants ne soient pas chiants, qu'ils aillent un parc ou deux tout près. Un parc? Un parc ou deux tout près, ouais. Comme ça ils sont pas chiants. Toi. C'est tout? Ouais, un petit parc, un petit truc. Ouais, les parcs ça permet d'améliorer les bâtiments, etc. Leur bien-être en fait. Ouais. Bah ça améliore la valeur foncière en fait. Ouais. Ils me cassent les couilles hein. Genre comme ça c'est bon? Non il faut qu'il soit ouais. Dans la cible? Ouais dans la zone. Ouais dans la zone. T'as d'autres parcs hein, sinon hein, qui sont plus petits. Ouais. Non mais tu mets un comme ça en bas et un comme ça au dessus hein. Comme ça tu oh le parc à chiens comment il est parfait. Ah bah parfait voilà. Parc à chiens pour ces chiens de pauvres. Oh. Très bien. Oui mesdames et messieurs nous sommes entre nous, on a le droit de parler comme ça hein. On a le droit de parler comme ça, c'est le politique, hein. Vous croyez qu'il parle pas comme ça dans les coulisses? Eh, vous êtes dans les coulisses là, hein? Eh oh! Eh oh! Ok, continuons. C'est pas mieux de faire des plus grosses routes ou t'as plus d'espace quand tu fais des petites routes? Quand tu vas mettre des bâtiments, tu mets des petites routes. Si ah ouais tu veux que les gens ils circulent dessus, tu mets des grosses. C'est comme ça en général. Ok. Et de toute façon, les gens ils vont d'office aller sur les grosses routes normalement. Ça y est, construisent. Attends, faut regarder, il faut zoomer un peu plus pour regarder s'ils construisent. Si, ils construisent. Ah oui, ouais, bah jour, oui. Hein. Oui, ils construisent, ouais. Pauvre con. C'est à combien ton palier? C'est 70 000? Ouais. Ah, ok. Normalement, tu as déjà déblaqué, là. Non. C'était à 60 000, non? T'en as un autre après. Non, c'est 70 ou 75. Parce que moi je l'ai débloqué à 60 000 le mégapole. Et là je mets tous les magasins. Et frérot, là, ils ont pas intérêt à se plaindre. Mais là, avant de les mettre, tu peux peut-être mettre une zone. Tu vois la zone là qu'on te parle depuis le départ. Ouais. Et bah là, tu pourras mettre des politiques en plus. Du style, genre là, les magasins, ça sera des magasins pour touristes. Ou ça sera des magasins locaux bio. Et par rapport à ce que tu mets, genre tu gagneras plus d'argent, ou plus de bonheur, ou plus de je ne sais pas quoi moi, n'importe. Ah bon? Et t'as juste à dessiner une zone en soi. Tu vois, okay, juste je fais quoi à côté de... Tu mets... T'as une zone en bas à droite là. Vas-y, et je mets quoi? T'as un bout carré, voilà, attends parce que je la vois pas, voilà. Pack de spécialisation commerciale? Attends. Oui, ça, tu dois d'abord en peindre une. Non. Pack de locaux biologiques. Genre, tu dois d'abord peindre une zone, tout le premier onglet. Tu vois le premier onglet ou pas? T'as un premier onglet sur ta liste. Ouais voilà. Là tu peins une zone. Voilà, tu peins toute la zone. Même tes maisons au pire. Hein. Même tes maisons tu les mets dedans au pire. Voilà. Et là si tu veux que par exemple t'es. Ah là t'as créé une nouvelle zone là. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Ouais bon. Là t'as refait un quartier au-dessus du quartier. Enfin c'est pas grave. T'as tout supprimé de toute façon, c'est bien. Ok. Vas-y, voilà, recouvre. Parfait. Voilà. Là, maintenant, tu as des options. Par exemple, chaque onglet, c'est soit pour les magasins, soit pour les maisons, ou soit pour plein de choses. Bon, ça, c'est la zone de parc, il ne faut pas toucher. Voilà. Là, par exemple, là, c'est pour les industries. Le deuxième onglet, c'est pour les industries. Le troisième, c'est pour... Attends, moi, je vois pas ce que c'est. Commercial, après, t'as bureau, voilà. Et après, t'as résidentiel. Voilà. Résidentiel, par exemple, si tu veux que tes mecs ils soient plus écolos, qu'ils utilisent moins d'eau, tu mets bâtiment autonome.
Et tu vois, et t'as ce qui coûte comme électricité, t'as ce qui coûte comme déchets, et ça améliore le rendement. Génère 30% de revenus d'impôt en moins. Oui, mais ça consomme moins et ça pollue moins. Ouais, mais go polluer, les gars, je m'en bats les couilles, 30%! Ouais, mais au final, tu vois, tes problèmes de poubelle et tout, ça serait supprimé si toutes tes maisons elles étaient en mode genre. Non, y'a pas de problème, je m'en fous, 30% frérot. Ok, je fais quoi alors? Si t'aimes pas ça, tu peux mettre aussi les commerces. Genre l'option commerce. Je sais pas ce qu'est l'onglet, l'option commerce. C'est. Attends. Produits locaux et biologiques. Réduit la production de déchets de 20%, augmente la consommation d'électricité de 20%, le trafic des camions dans la zone est réduit de 50%, produit 50% de mandonnée de bébé. Ça c'est bien en soi, non? Ça apporte beaucoup quand même. Ok, je clique dessus, je fais quoi? Et tu l'appliques sur la zone, t'as juste à cliquer sur la zone. Voilà, là c'est bon? Voilà, là c'est mis, voilà. Et là, quand tes magasins arriveront, ça sera des magasins bio. Enfin, très bien. Voilà, t'as compris. Très bien, ingénieur. Merci ingénieur. Là, si tu cliques sur le vallée de Bouillapose, tu auras accès aux politiques locales et là du coup tu peux vraiment mettre des politiques spéciales dans ton quartier. Ouais. Et les gars, c'est bien d'avoir plusieurs. Là il me faut une autoroute parce que là il y a juste ça qui sort. Donc ça va être l'enfer. Non? Bah en soi pour le moment il n'y a pas de problème alors. Ok, j'active. Allez les gars, on y va les pigeons! Voilà, on a plein de nouveaux pigeons, les gars, qui arrivent. Ne vous inquiétez pas, c'est grâce à eux. Eux, ils vont se sacrifier, mesdames et messieurs. J'ai mis le wifi gratuit dans ma ville aussi. Hein. C'est grâce à eux, mesdames et messieurs, que effectivement nous allons avoir des... Ok, les gars, faisons un point sur les déchets aussi. Mais avant, tu peux pas juste rajouter un petit, je sais pas moi, un monorail ou un truc pour que tes mecs là-bas, ils soient pas trop paumés. Genre, je sais pas, un petit bus, un petit monorail, un truc dans le genre. Parce que les gars là ils sont paumés en plein milieu de leur truc et ils ont aucun chemin d'accès jusqu'à ta ville principale. C'est la banlieue, hein, c'est la banlieue. Quoi, la banlieue il reste là? Un monorail ça va être trop compliqué, je leur mets un métro à la rigueur si tu veux. Ouais bah métro, comme ça au moins ils sont quand même un petit peu connectés. Mais ça va faire du bruit, ils vont casser les couilles. Ça fait du bruit mais au moins ils pourront se déplacer en ville et te rapporter de l'argent dans tes commerces. Ouais mais ils vont casser les couilles surtout. Bah si tu le mets dans la zone là juste à côté c'est bon. Hein. Là c'est bon, tu l'as mis. Ok, et donc là je l'ai fait venir de là. Et je vais me ruiner 86 000. Ah bon, c'est vrai que c'est un peu cher. Fais attention de le connecter dans le bon sens, hein, sinon tu le rends. Attends, je vais sauvegarder avant de me faire perforer l'oignon. Mais en tout cas, tu remontes en argent, hein. T'es à plus 3000. Je devrais être à plus 45 000, frérot, là, si j'avais pas merdé. C'est un peu mieux. Là, tu peux le relier à celui-là, ouais. Et j'ai vomi là. Hein? Non, ça secoue partout là, l'écran. Ah, est-ce que j'ai le choix, mec? Ce jeu de débile, mec. Genre, j'ai pas le choix. Tu peux pas le relier à celui dessus? Ouais, celui-là, c'est plus simple, non? Ouais, mec, je les connais. Et là, là, je pourrais créer une ligne. Bah soit tu crées une ligne, ou soit tu rajoutes un arrêt sur cette même ligne. Comme tu veux. Ajouter arrêt, puis tu relis à la première. Ouais, ça marche comme ça. Et tu mets terminé la ligne. J'ai créé une ligne de métro, les gars. Les cucks. Et comme ça, au moins, ils seront contents. Non, je vais pas faire ça. C'est quoi, ils feront deux fois la ligne, j'en ai rien à foutre. Genre, vraiment, eux, ils sont là que pour nous faire du pognon, chat. Comme ça, les riches, ils seront contents. Parce que là, on a assez dépensé d'argent sur eux. On a trop dépensé d'argent sur eux. Mais ça va être bien rentabilisé. Parce qu'ils vont vouloir venir ici parce qu'il y a des transports en commun et tout. Ils sont bêtes. On fait un petit point trafic. Oh la gueule de la map. Ah ouais. Bah ouais, ma ville marche bien, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le plus important, c'est la zone où c'est l'entrée de ton autoroute, où c'est bouché pendant 3 km là. En gros, faut regarder la fin et où est-ce qu'ils vont en fait.
On peut voir que ils sont. Enfin, tout le monde ne va pas par ta nouvelle autoroute là, ta nouvelle sortie. J'ai compris. Et ils préfèrent passer par là. Donc du coup, limite, tu peux supprimer l'intersection de ton rond-point, quoi. Où? Descends un petit peu la, l'entrée de ton ta ville, la première entrée de ta ville, là où t'as ton ton intersection là, ton gros. Ça? Ouais. Tu vois, ils passent tous sur la zone industrielle, alors que maintenant t'as une nouvelle route pour aller à la zone industrielle. Et ils bougent pendant je sais pas donc combien ça, de temps. Ça là, ça là, ça je supprime ça. Bah limite faire en sorte qu'ils passent pas par là, donc à limite. Mais mec, la voie, là-bas c'est sens, l'enfer quoi. Aussi. Mon bah, tunnel, ouais, mon tunnel grave, c'est l'enfer. Ouais ouais, bah et après faut faire ça aussi. Les ça c'est gars, le deuxième truc. Le problème c'est que dans tous les cas, là son tunnel c'est le bordel. C'est-à-dire que okay. Dans n'importe quelle classification. Vive les riches. Dans n'importe quel sens, c'est le bordel. Mais déjà juste s'il change le sens de son intersection là au début là que je lui ai dit, déjà là il régla le problème de l'industrie là, les bouchons au niveau de l'industrie. Hein. Mais en soi il va juste déplacer le problème à un autre. Bah non parce qu'il a fait. En fait, il a fait une sortie au niveau de l'autoroute et au final, elle est même pas utilisée quasi. Genre la nouvelle sortie là qu'on avait fait en haut. Ça va. Pour ça, là il y a 80% des gens, ils passent par l'ancienne sortie à la place de passer par la nouvelle quoi. Mm-hmm. Ouais, je vois. C'est pour ça, pour moi, tu changes juste l'intersection ou tu supprimes carrément la route. La boucle là. Pour aller à l'industrie. Tu vois, ouais, les grosses boucles, bah en fait, tu changes juste la direction pour pas qu'ils puissent passer par là, quoi. En fait, faut pas qu'ils puissent aller au niveau de l'industrie par ce côté. Parce qu'en fait, pour eux, c'est plus rapide. Tu vois, ils font le tour depuis tout à l'heure, là, ils bougent aussi. Et après, t'as dans le souterrain, là, il faut changer des trucs parce que ça bouge. Le souterrain, frérot, le souterrain, il m'a coûté 2 millions, 3 millions même. Donc, les gars, je pense, déjà, il y aura rien si à faire parce que j'ai pas les 3 millions. Ouais, non mais ce que tu peux faire c'est juste changer, tu vois là t'as fait des 3 voies pour rentrer sur l'autoroute. Enfin t'as une autre entrée qui passe en 3 voies aussi. Et en fait quand tu fais des 3 voies pour rentrer c'est un peu chiant parce qu'ils se bouclent, enfin ils se bousculent beaucoup plus, bah beaucoup plus quoi. Que si c'est une simple voie. On va dans le souterrain. On a bientôt 70 000, hein. On va pouvoir faire les riches, moi je regarde que ça. Mais t'as baissé les impôts pour attirer les pauvres ou pas? Non. Tu veux pas baisser de 1%? Non. Mais juste bon. Non? Bon, après, il va être en négatif de ouf. Non, mec, je suis à plus 3000, frérot. T'imagines même pas, on est sur la ligne ici. On est sur la ligne. C'est vrai que c'est chaud, hein. C'est vrai que faudra c'est chaud. Faudra tout miser sur les. Putain, attends, je voulais faire quoi là? Ça. Ça. Ok. Faudra tout miser sur les. Si je supprime tous les stops. Il va y avoir des accidents de malade? Bah c'est juste que les petits vont se rentrer dedans quoi. Et ouais, du coup il va y avoir des accidents? Bah ça va freiner tout en fait. Il peut pas avoir d'accident en soi, c'est juste ouais, c'est vrai, deux stops bloquer, là, après, c'est bon. Ça va être long. Ouais, deux stops là. Ce qui est bizarre c'est que c'est l'autoroute qui arrive qui est en stop. C'est ouais. Ouais, pourquoi il y a deux stops là? Ouais je sais pas, le jeu il y avait un problème. Attends mais là il y a aucun stop, là il y a aucun feu, il y a rien là. C'est juste en fait... là c'est la guerre. En gros, ils veulent tous passer sur la même route. Ils vont tous passer par la même route, donc du coup, ils s'attendent. Enfin, ils laissent l'intersection libre en fait. Et du coup, c'est ce stop là en fait. Ouah, mais la sortie, ils se tapent dessus là. En vrai, s'ils se passent à travers, mec, je retire tous les stops en vrai. C'est bon, c'est ça qu'il faut en fait. Faut retirer tous les stops en fait. Les mecs se passent à travers, regarde. C'est ça qu'il faut faire. Il y en a qui passent à travers, mais en général, normalement, ils s'arrêtent et ils bloquent tout. Ah mec, là, on dirait pas qu'il s'arrête là, frérot. Ah, là, ça va encore, là, ça va encore. Ça roule bien. Mais regarde, les ambulances. Les gars, j'ai tellement hâte. On va faire une entrée de riche là, comme ça, là. Et l'autre sera le tiers-monde. On va laisser là-bas le tiers-monde. Ah, j'ai hâte. Unlock. Non, ouais, ça avance bien quand même. Hein. Unlock la map dans Option. Il y a pas mal de population et tout. Mais voilà. Oh mon dieu, putain. Ah, on a. Pourquoi tu me dis ça que maintenant? Bah, non, regarde. Si, ça marche. Si, pas. ça marche pas. Oh. Ouais, mais depuis tout à l'heure, en fait, ça. Heureusement que mon chat il est là, les gars. D'ailleurs, Kenza Abeille DD. Félicitations. Tu vas avoir une petite villa aussi.
Les modos, vous avez noté, hein. J'espère que les modos vous êtes actifs là parce que ça va déclencher. Putain, j'ai toute la map pour moi là. Oh, je suis un homme libre. Ok, on va quand même faire les riches ici. Les riches. T'as des lignes de traces sur ta map ou pas? Quoi? T'as des lignes de traces sur ta map? Ouais, j'en ai. Là. Ce que tu peux faire, c'est aussi faire une gare pour que les citoyens ils aient quelque chose pour le transport, quoi. Les riches? Genre pour t'aider. Bah, soit les riches. Non, mais les riches, on fera tout à la main, les riches. Ok. Bah, pour gauche ou droite, les riches? Chat. Vous préférez gauche ou droite? Au niveau du terrain. C'est personne, mais ça le fait un peu plus à droite, non? Ça le fait un peu plus à droite, on est d'accord. Ouais, ça le fait un peu plus, hein. Ok, alors on commence par quoi? On gagne 7000 balles, les gars. Eh, les pauvres, ils payent! Les pauvres, ils payent! Ah merde, attends, il faut que je leur mette une école et tout là-bas, non? J'ai mis ni pompiers, ni flics, rien. Regarde, ouais, ils se débrouillent pas mal, hein. Ils se plaignent pas. Bah, mais même, faut quand même mettre, non? Bah, regarde, s'ils sont ouverts, on s'en fout. T'es sûr? Tu veux gagner de l'argent là? Bah, regarde, ils sont tous verts, ils s'en foutent, et bah voilà. Attends, en fait, je leur mets le minimum. Ils font tout le tour. En fait, ils arrivent jusqu'ici, en fait, même si. Je leur mets le minimum, mec. Raison. L'éducation et tout, c'est important. L'université, ils iront se faire foutre, ils prendront le métro. Mais là, j'aurais tout mis là. Et là, je viens de perdre 6000 balles par mois en plus. C'est ça, okay. Et par contre, j'ai gagné 770 000, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah. T'es en plus 42 000. J'étais en plus 42 000? Ouais. Putain, c'est le timing parfait pour les riches! Alors, mesdames et messieurs les riches, préparez-vous pour votre futur villa. C'est quand t'as unlock? Ah, c'est quand j'ai unlock? Ah oui, ça m'a donné les thunes de unlock. Ouais, ok. Alors, l'autoroute, on est d'accord, elle vient de là. Je la tire de là. Et je la ramène là, comme ça. Donnez-moi une villa, monsieur le président. Là, on va partir d'un échangeur direct. Ok, vas-y, alors, vas-y, coach, vas-y. Je fais quoi? Mets ton échangeur en T là, casse un petit peu d'autoroute et mets un échangeur en T qui va directement aller jusqu'à ton nouveau quartier. Quel jeu de merde. Genre le jeu il arrive pas à comprendre ce que je veux faire. Si bête, putain. On peut casser encore un tout petit peu au pire. Oh putain, il y a quelqu'un, il veut une belle ville là. Envance pour les 20 subs, merci mon pote. Va sur la mer STP. Attends, tu veux une ville sur la mer? On peut faire ça les gars? Oui, mais il va carrément falloir terraformer alors. Oh putain non. Et c'est pas 20 subs, 20 subs ça va pas le faire. Si, en vrai c'est facile, on peut. Non, attends. 20 subs ça va pas le faire. 100 subs. 100 subs, ok. Ah là tu vas te mettre une route normale. Ouais j'ai vu. C'est quelle autoroute là? Ok. Je mets pas une autoroute barrière acoustique, on s'en bat les couilles non? Bah là t'en plein milieu nulle part là. Ok donc là l'arrivée là. Alors je fais quoi? T'as pas relié ce dessus là. Oh merde. Ok l'arrivée. Ça me coûte 35 000, ça va. Est-ce que je vais passer ça en dessous de la terre? Bah non, parce que justement on va se servir de cette autoroute comme base et après tout partira de cette autoroute. Ça va être le nouveau périph' en fait. Alors je fais quoi? Le périph' des riches. Jamais comment, droite? Tire une ligne droite jusqu'à faire un pont là-bas et là, tu vas partir de là. Tout simplement faire une ligne droite jusqu'à l'autre côté. Mais attends, mais c'est parce qu'il y a du relief de merde là. Donc je le fais en haut. Oh putain, le relief il casse les couilles. Bah, je suis pas sûr que t'es obligé de monter jusqu'au-dessus. Hein. Genre que tu fasses l'autoroute jusqu'au bord déjà. Ouais, genre là déjà. Déjà juste jusque là. Comme ça? Bah, une bête ligne droite en soi. Hein. C'est combien une ligne droite? C'est 190 degrés? Attends. Ouais, c'est ça, ouais. 180? C'est 180. Attends, là, je regarde. C'est 180, là. C'est ça, ouais.
Voilà, chef. Et puis tu fais la même ligne droite mais dans l'autre sens. Notez les riches, Torpedux, il veut une belle ville là aussi. Tu fais la même ligne droite. Échangeur de temps en temps, on me dit. Bon, ok, là je fais quoi? Je fais quoi? La même ligne droite en retour? La même dans l'autre sens, ouais. Ouh, c'est beau ça, j'aime bien. À côté? Ouais, juste à côté, comme si c'est propre et tout. J'ai dit vue sur la mer bébé, une grande ville à STP avec des voisins c'est sympas. Là. Vue ah, sur c'est, la mer c'est collé là, je crois. Bah, c'est. C'est trop collé parfait, là. Hein. Parfait. Non, c'est. Bon, en vrai, c'est pas mal, non? C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, sauvegarde, c'est beau! C'est beau, sauvegarde! Ok. Pep, vous étiez sur une zone où il y a du pétrole. Et tu peux faire une petite courbe à la limite et que ça t'emmène vers la mer. Pas la mer, moi, le. Ah ouais, les riches ils sont sur une zone de pétrole. Ah merde. C'est parfait frérot, c'est parfait. Ça va avec. C'est dans le package. Ok, je fais quoi? Je fais quoi? Sur ton autoroute, tu veux pas juste faire une courbe qui longe les sommets de la minuscule montagne là? Waouh, tu fais du roleplay? Bah, ça serait un peu joli. Tu peux aussi changer ton mode de construction hein, si t'as vu, je sais pas, à gauche. Ouais, c'est.